Salut les petits capitaines et mes grands amiraux, ici Stark à votre hôte et nous nous retrouvons pour une vidéo du premier de la classe avec Thomas 17S du clan ADML, donc le clan dont je suis le commandant en chef. Pas très présent ces temps-ci, mais en tout cas, commandant en chef. Alors, nous sommes avec le Duke of York, commandé donc par Thomas 17S, on va l'appeler Thomas hein, pour aller plus vite. Et nous sommes sur Trident, la carte que j'aime bien aussi celle-là. Donc vous voyez, il y a des cartes que j'aime bien quand même, hein. Je suis pas non plus un méchant haineux contre les cartes de Wargaming. Donc en plus c'est Trident avec un... Oh bah. En plus c'est... Comment s'appelle ce truc? Épicentre, voilà. Bon, alors au niveau des navires à engager. Un Duke of York en face, un Bayern... Ah bah c'est les mêmes. Trident chauffe le Congo contre New York, New Orleans. Alors 4 cuirassés de bonne tenue, sans plus. Le Congo est un petit peu... surclassé ici je dirais, mais en tout cas il peut faire très mal. New Orleans, York, Aoba, deux Aoba donc, Königsberg, donc des bons croiseurs. L'Aoba est un petit peu léger je trouve, à courte distance il est mortel, à cause de ses torpilles surtout, mais à longue distance il se fait bien atomiser quand même. Königsberg, donc alors, Sims, Gaede, Fubuki en destroyer, et on est vraiment en bataille 5 à 7, ce qui avantage notre ami Thomas, normalement. J'aime beaucoup la disposition des canons de la classe King George V. Prince of Wales, Duke of York et le dernier, je sais plus lequel c'est. En tout cas, ils sont. J'aime beaucoup la disposition avec 6 canons à l'avant, 4 canons à l'arrière. Ça permet d'avoir une force de frappe assez puissante de flanc. Et aussi d'avoir une bonne puissance de frappe à la fuite. Et aussi de. Quand on tangue par le nez, ben, par la proue, au moins on a 6 canons qui sont devant, prêts à tirer. Je vous pose la question, pourquoi c'était pas 3-3? Pourquoi ils ont mis 4-2? Oui, alors. Nous avons donc un York. Et il s'est mis en explosif, tiens donc. Peut-être qu'il a plus. Il a tout monté en explosif avec son navire, c'est bien possible. Non, j'ai bien raté par contre, juste derrière le York, qui a démarré en fait, dès qu'il a vu qu'on lui tirait dessus. Donc il reste très près de son navire en fait, hein, notre ami Thomas. J'aime bien rester un petit peu loin comme ça, moi. Là il a pas une, il peut pas avoir une vue assez dégagée du reste. C'est sa manière de jouer hein. Là il va tirer sur du Duke of York, je pense. Ouais. On va voir ce qui va se passer. Toujours pareil en explosif. Ah par contre c'est bien visé là j'ai l'impression. Ouais, un petit incendie en plus. Ça va faire grand dommage mais incendie c'est déjà ça. C'est ça le charme des batailles contre d'autres joueurs, on sait pas comment ils vont réagir. Alors, est-ce que le Duke of York ennemi était en train de s'éloigner ou est-ce qu'il ralentissait pour des trucs pour essayer de tirer ses tourelles arrière, je sais pas. Enfin, sa tourelle arrière. Elle a touché trois fois, non, il ralentissait. Gagné détruit, donc un incendie en plus. Donc, s'il avait raté son incendie, bah ça recommence. Et là, par contre, pour s'arrêter, c'est raté. Bien joué de son côté. Et là, je sais pas qui lui tirait dessus. Peut-être le Königsberg. Qui lui, là, il a fait une petite erreur, le Königsberg, j'ai l'impression. Ouais, voilà. J'aime bien celui des obus comme ça, c'est sympa. Attention. Ouh. Oh, ça fait mal ça. Pas terrible, terrible au niveau des dégâts, mais pareil, un incendie. Il a pas l'air de pouvoir arrêter d'ailleurs. Ouais, il n'arrête pas. points de dégâts pour l'instant. Le Congo qui lui a tiré dessus, ça, 5643, ça peut pas être autrement que le Congo. Ouais. D'ailleurs, il est en train de faire son. Non, un peu plus. Bon, je sais pas. Ah, joliment joué. Non, joliment joué. C'était bien anticipé. Sauf que tu joues pas perforant, Thomas. C'est un peu bizarre, mais bon, tu le joues comme un conquérant de rang 7 en fait. Après tu as détruit là-haut bas. Il continue à engranger des points d'incendie, hein, c'est incroyable. Le York, avec un peu de chance, peut lui faire une... oh, il peut faire des citadelles avec ses explosifs. Ouf, alors 10 000 points, ah oui là... 6 obus touchés en plus, ouais. Bon l'incendie était,
éteint immédiatement. L'Urk s'est rendu compte de son erreur. L'équipe immédiate partie deux navires, l'équipe de Thomas un navire. L'Urk fait l'erreur, mais bon, il n'a pas le choix non plus, il faut qu'il évite aussi les obus qu'on lui envoie. Attention. Ah, oui. Bon, on a plus d'Urk alors. Un Naoba, c'est pas mal aussi. Les Naobas sont très rapides, hein, faut faire gaffe. Ouais, par contre là, oula. Bon, ça va, il passe entre les deux. C'est de la chance pure là. Il a pas vu arriver des torpilles. Citadelle, vous voyez, on peut faire des citadelles avec le, avec des explosifs. 18 000 points, fou. Il n'y a pas. C'était où les torpilles? Ah ouais, à côté. Il n'a même pas regardé, hein. Il était totalement focalisé sur autre chose, il a pas regardé. York qui a voulu s'éloigner tout à l'heure. Ah, il s'est mis en perforant cette fois. Réparation et là, hop, régénération de coque. 7900, allez hop, peut-être le finir ce York. Et les pauvres croiseurs qui n'ont pas de régénération de coque, c'est un peu léger quand même. J'aurais pensé qu'au moins ils auraient pu mettre une petite régénération de coque au croiseur parce que c'est quand même assez cruel. On verra bien dans les prochaines extensions. Non, 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 là c'est la montagne. C'est tombé. Ah, quand même si! Ah, si, quand même, il y en a deux qui sont passés. Excellent. Mais bon, pas touché. Un nouvel incendie. L'équipe ennemie a vraiment pris l'avantage au niveau tactique. Stratégique, pardon. Au niveau tactique, par contre, c'est l'équipe de Thomas qui prend l'avantage. Un canon de navire assez conséquent détruit en face. 4. En fait, je vais lui laisser la main quand il va tirer. C'est mieux. Maintenant. Ah ouais, là par contre au perforant, en fait je pense qu'il prend le perforant quand il passe en dessous des 10 km. Il y a de grandes chances. Incendie, ah, j'ai l'impression que l'incendie ravage tout son navire quoi, c'est incroyable. Voyez un petit peu là, l'équipe, il est pas tout seul mais il est quand même, il va quand même tanker là le nez devant. Ouais c'est ça. Congo détruit, bon bah voilà. 8614, ouh c'est chaud hein. Et là on a l'York qui va y passer je pense, à mon avis il passe. Logiquement si tout va bien. C'est terminé pour lui, voilà. Il a encore une tourelle prête à tirer. New Orleans peut-être. Ouais. Il y a un petit saccade hein, à cause du. L'ordinateur doit pas être. Thomas doit pas être super. Parce que ça saccade pas mal. Ah le Duke of York a bien raté son coup là. Il reste en perforant, du Covior qui est juste devant lui. Il répare, c'est parfait. Il peut lui faire très mal, il peut lui faire très mal. Voilà, la preuve, 11 000 points. Et 4700 derrière, ouf. Ah oui, tout de même. Torpille à côté. Oh, c'est torpille à mi, ça va. New Orleans, c'est pas loin, 8 km. Il laisse brûler le Covior. Voilà, le Covior qui est mort. Il n'y a plus trop de choses à faire à part le New Orleans. Le Bayern et Friedrich peuvent lui faire ça. Non, même pas. Le New Orleans, c'est le Bayern qui peut lui faire la peau en fait. Il a un peu de. Est-ce que ça va lui faire mal au New Orleans? Pas trop. Il s'avance quand même. C'est-à-dire que le New Orleans l'ignore. Il est en train de se concentrer sur le destroyer qui est juste derrière l'île là-bas. Ça va faire mal. Voilà, ouais. Deux citadelles. Oh, joli. Gros calibre, et là il va le finir normalement. Il a pris d'énormes risques, mais en même temps ça paye. Il s'est vraiment exposé. Le Bayern est sur lui, destruction du New Orleans. Là ça va être chaud, hein, parce qu'un Bayern c'est pas non plus de la gnognotte. 380 mm dans la tronche, ça peut faire très mal, attention. Il va lui tirer dessus, voilà. Ah ouh, il tire à l'explosif, j'ai l'impression. C'est l'impression que j'ai eu, hein, c'était explosif. Il répare dans 20 secondes. S'il garde, s'il tient 20 secondes, c'est bon. Ouh, c'est pas évident. Allez, quelques secondes encore, quelques secondes. Quelques secondes, quelques secondes. C'est bon, il peut réparer. Allez, répare. Pourquoi tu répares pas? Ah. J'ai eu peur. Oh, bah il a bien fait de réparer maintenant, hein. Boum! Allez, au revoir le Bayern! Joliment joué, superbe corps à corps, alors vraiment bien délirant là. Ok.
qui lui tire dessus. Ah, c'est un destroyer. Il est encore en train de réparer, donc il ignore l'incendie. Il ne peut pas réparer de toute façon avant 30 secondes. Une minute, donc 30 secondes d'incendie vont se passer. Donc il va les prendre dans la tête quand même, les incendies. Aïe, là, je pense qu'il n'y a plus beaucoup de choix. Il va bientôt exploser. Dommage. Mais en tout cas, c'était bien joué. Hein. Ouh, superbe. Là, rien à dire. Il a bien joué son coup. Ah, tiens, il n'a pas vu. Friedrich là-bas. Allez. Bah écoute, adieu mon cher. Voilà. C'est dommage, mais t'as vraiment super bien joué, hein, Thomas. Bah, moi je trouve que c'était super bien joué. Donc si vous pouvez passer sur un autre navire, ce serait pas mal. Qu'on puisse regarder un peu plus près quand même. Par contre, les ennemis ont le centre quand même. Hein. C'est pas n'importe quoi quand même. C'est fou. Allez Thomas, on passe sur un autre navire. Allez. Ah là là. Bon tant pis, on n'aura pas l'autre navire. On verra au moins son navire qui coule. Ouais, puis l'incendie aussi d'ailleurs. Comment il peut avoir un incendie alors qu'il coule? Bon c'est bon, l'incendie est disparu je pense. Ah ça y est, ils sont en train de tout prendre là. Ils sont en train de tout prendre. Parfait, donc le Friedrich, il reste plus que le Friedrich. Et le destroyer là-bas, le Bayern va s'en occuper peut-être. Peut-être, c'est pas évident. Hein. Le Bayern est loin quand même. Bon, c'est peut-être pas intéressant de voir le reste. Capture du secteur central, donc c'est fini. La bataille est terminée. Dans 2 minutes, je pense que la bataille est remplie. Le Friedrich est en train de prendre très cher en plus derrière. Ouais, mais oh là là, allez, c'est bon. 738. Ouais, dans 2 minutes, c'est fini. S'ils détruisent pas le Sims là, le Bayern et puis les autres, c'est fini. Le Bayern, en fait je pense que le Sims va se suicider sur le Bayern pour essayer de le torpiller avant de partir. Ça aurait été pas mal si t'avais été sur les navires ennemis, Thomas. Désolé pour toi, on peut pas voir les navires ennemis. Ah bah quand même, sur le Bayern. Et le Sims va essayer de le torpiller, je pense, à mon avis. Le secondaire est en train de faire très mal au Sims. Pas trop mal non plus, mais quand même, ils font mal. Hein. Le Sims a comme l'avantage, c'est qu'il a des. Il a des torpilles prêtes là. Oh bah, il était n'importe comment là, le Bayern. Roussos, Gnedidakis. Bah alors, les torpilles sont où? Allez, voilà. Adieu, Bayern. Ah bah non, pas d'adieu. Pas adieu, pas adieu, pas adieu. Par contre il a... il peut pas réparer apparemment. Ouh bah c'est fini, oui c'est adieu là. Adieu Bayern. Mais bon là le Sims il est foutu je pense. Bayern par contre il visait pas super. Hein. Mais vous me dire que il est trop près aussi de destroyer pour avoir des visées parfaites c'est difficile. Hop là. Il y a vraiment des problèmes de saccade avec ces replays, hein. Donc moi je reprends la main là en fait, c'est pour ça qu'on peut voir bien. Pauvre cuirassé qui brûle quoi. Ouais, il est par là-bas le destroyer, quelque part, ils sont en train de le coincer. 945, c'est même pas la peine là, dans 30 secondes c'est terminé. Mais non, t'as pas besoin d'assistance. Ah, on voit la coque en dessous, la quille du navire. C'est fou quand même. Bah quand même, la galissonnière, Kojot, Königsberg, Elena. Et voilà, terminé. On se retrouve pour les statistiques les amis, hop là. Et nous voici pour les statistiques du Duke of York avec Thomas 17S aux commandes. Donc, nous voyons qu'il a remporté 563 000 crédits, 11 876 points d'expérience, ce qui est beaucoup, 713 points d'expérience, ce qui est aussi beaucoup, mais bon, ça peut s'expliquer avec les différents pavillons qu'il doit avoir sur lui. Gros calibre, exploit héroïque, donc ça explique un petit peu son premier de la classe aussi, hein, ce qu'il a fait, 147 000 points de dégâts, donc c'est deux fois son rang x 10 000, donc c'est une bataille, on peut dire, parfaite.
60 coups à la cible sur tous les. Je voulais dire surtout le corps à corps, à un moment il l'a très bien géré, je trouve. Mais bon, c'est moins. Hein. Donc 60 coups à la cible par la batterie principale, 2 avions abattus, 3 éléments neutralisés, 3 navires détruits, 6 incendies provoqués, 3 citadelles touchées, 25 coups à la cible par secondaire. Non, une très belle bataille, vraiment superbe. Allez, on passe directement ici. Et là, on voit qu'il est devant tout le monde à 700 points, pratiquement. 650, on va dire. 2027 points d'expérience de base, 3 navires coulés, 2 avions abattus, mais quand même. Regardez bien, 650 points d'avance sur tout le monde. C'est incroyable. Il a vraiment mené la bataille. C'est lui qui a tout changé quand il est allé au contact avec les trois navires. Dans le Duke of York d'ailleurs. Et le Bayern aussi quoi. Enfin bon, c'est incroyable. C'est délirant. Délirant. Il a super bien joué et ça a tout changé dans la bataille. Sans lui, la bataille était peut-être perdue. Je prends le risque de dire ça. Ouais. Laoba, 1362, a quand même bien joué aussi, mais pas énormément. Et l'autre de Friedrich, 1153. Le Shiratsui, 1143. Ok, c'était bon, mais le meilleur, c'était quand même le Duke of York, Thomas. Ouais, voilà. Et en face, l'ennemi s'est fait un peu écraser. On peut le voir au niveau des scores. C'est pas extraordinaire. Et surtout, les deux trois premiers sont à la ramasse. Donc, hop là. Bon, passons aux choses sérieuses. 32 000 points de dégâts sur le New Orleans, coulé. 23 000 sur le York, coulé. 9 320 sur le Bayern, coulé. 42 000 points sur le Duke of York, c'est pas lui qui l'a coulé, excusez-moi. C'est le York qui l'avait coulé, non pas le Duke of York. 18 000 sur la Oba, donc barre parfait. 16 000 sur un autre navire, je crois que. Je pense qu'il est la deuxième feuille. Ouais. 16 000 sur le Congo. 3 544 sur le Königsberg. 2 340 sur le Friedrich. Il m'a mis un petit descriptif de l'artillerie. À qui il a fait quoi, en fait. Alors, regardez, du Duke of York, Bayern, Congo, Congo 8700, 10 000. Le plus gros, ça a été au Bayern, pour le couler, je parle. Sinon, le plus gros, c'était au Duke of York. Excellent. Excellent, parce qu'il y a eu des incendies quand même, hein, donc faut me préciser. On vient sur la feuille d'avant. Donc, 147 000 points de dégâts infligés. 56 et 88, ça nous fait du 144 obus tirés. 144 obus tirés, ça nous fait du, si on calcule bien, ça nous fait du 37-38%, voire du 40% de précision. Ce qui est un peu normal, parce qu'il a beaucoup, tiré à la fin, au corps à corps pratiquement, enfin à moins de 10 km. Donc bravo, en tout cas, il a fait des très beaux tirs aussi avec ses explosifs. Admiratif. Donc 118 000 points de dégâts grâce à la batterie principale, donc en perforant et en explosif. 314 points de dégâts avec les batteries secondaires, c'est pas plus la panacée, mais 28 000 points de dégâts en incendie, donc il a fait son conquéreur rang 7. Il a joué son anglais rang 7 en cuirassé, c'est-à-dire on joue beaucoup à l'explosif aussi au début, on essaie de mettre le feu le plus possible, et après quand on arrive au contact, on passe au perforant comme il a fait. Donc 3 navires de guerre détruits, 5 navires de guerre endommagés, ça fait 8 navires de guerre endommagés et détruits, 2 avions détruits, 25 000 points de dégâts grâce à détection, 2 incendies provoqués grâce à détection. Dégâts potentiels 1 135 000, donc pour cette bataille, 6 de 6 à 8 comme ça, enfin pardon 5 à 7, ça va, c'est un très bon score, 1 135 000. Un escadron détecté, 8 torpilles détectées, aucun point de capture et 1 point de défense. Ça va, pas extraordinaire, 1 point de défense. Mais c'est toujours ça, ça fait peut-être 0,1% de points d'expérience en plus. Donc la bataille a duré 13,56, une bataille moyenne moins, lui il est resté dans la bataille que 10 minutes 09 comme on l'a vu. Il a fait pas mal de choses en 10 minutes 09. J'ose à peine imaginer s'il avait survécu ce qu'il aurait pu continuer à faire. Enfin bon. Quoi qu'il en soit, au niveau des répartitions de points d'expérience, comment le faire ? Vu ce qui s'est passé et vu les points de dégâts potentiels, je pense qu'il y a 5% dans les dégâts potentiels et 95% dans les dégâts infligés, l'exploit héroïque, les navires coulés, les circonstances, le tanking. Ouais, je pense que 95% dans les dégâts infligés, 5% pour le jeu en équipe. Il a reçu 90 000 points de dégâts, donc il a quand même beaucoup réparé, c'est un anglais, donc il a réparé beaucoup aussi. Beaucoup de points de structure, donc bon. Voilà, c'est à peu près mon calcul, donc n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous êtes d'accord ou pas. Je pense pas que vous soyez pas d'accord, parce que, voilà, ça parle de soi-même. Hein. Hop là, donc on va passer directement aux récompenses. Alors il a reçu 521 000 crédits, donc je rappelle que c'est un premium. Un rang 7 premium, donc on gagne beaucoup de crédits quand même à la base. Dépenses, moins 32% de la maintenance. Comme ça, qu'au rang 7, on commence à payer cher. Il a reçu donc 3345 points d'expérience en premium. Et modificateur, donc il avait le type 10, donc son camouflage. 200% dû au bonus de journée de victoire. Je m'en doutais un peu. Hein.
5% du bonus du clan, et bon bah je pense qu'il y a un papa qui était en route. Ah non, même pas, non, parce que 11 000 ça fait combien? Ça fait 690. Donc il y a quelque chose en plus au niveau de l'expérience, mais je sais pas ce que c'est. Ah bon. Quoi qu'il en soit, il y a 12 144 pour l'expérience des commandants. Et puis voilà. C'est parfait. Donc Ah non, j'ai dit n'importe quoi, moi, 600, 590. Donc il avait peut-être un papa, ouais. Je sais pas. À voir. Non, papa, il aurait beaucoup plus, il aurait eu dans les 2000 points d'expérience de base. Attendez, 590 x 3, ouais, il aurait eu dans les 2000 et quelques. Donc là, ça va être un petit bonus dû à quelque chose, un pavillon ou un camouflage, ou un bonus peut-être dans une mission, je sais pas, mais en tout cas, pas grand chose, hein. Je dirais, il va avoir 5, peut-être 1% en plus, peut-être, hein. Donc, je vois pas pourquoi il a 1% en plus en points d'expérience de libre. Bah Exoma, si tu me regardes, dis-moi pourquoi tu as 713 au lieu d'avoir 590. Ça m'intéresserait. Voilà. Donc merci à toi, bravo, très belle bataille, superbement gérée au niveau du coup, corps à corps. Voilà. Donc bravo à nouveau, donc félicitations. Et puis petits amiraux et capitaines, moi je vous dis à la prochaine vidéo. Portez-vous bien, rompez. お前はもう死んでいる。何？